toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode de Baldur's Gate, en compagnie évidemment de toi, Noir. Mais oui, toujours là, pour casser des culs et puis rencontrer des champignons bizarres. Toujours là, mais en retard. Mais non, un nain n'arrive jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive quand il veut, petit con, pour ceux qui ont là. Donc fais-nous le petit résumé là. Ah bah, on a découvert les Trifons Obscurs, on a découvert un peuple de champignons. Et on doit les aider. Et douer regard. C'est ça, on doit les aider à combattre des... je sais plus quoi là. Bah c'est une race de nains, je crois, les douer. Ouais, des méchants nains quoi. Des méchants nains, exactement. On peut pas passer par là, hein. Non, faut qu'on quitte le camp. Ah oui, d'accord, bah oui, forcément. Forcément. Toi, nous, toujours là pour faire des jeux nuls. Oh là là. Mais comment ça? Oh là là. La mouette de mauvaise foi. Hein, comme toujours, toujours. Attends, c'est la mouette. S'il était pas comme ça, on le reconnaîtrait pas. Alors, ah oui, on avait déterré. Il n'est qu'assuré le message de la mouette. C'est vrai qu'on avait su. On avait vu ça, je me rappelle. Et on était. En même temps, je joue au jeu, donc. On était dans. Ça trigger. On était dans ces endroits assez. Mystérieux. On a tué des raptors, hein, on a tué des dinosaures par ici. Mais je crois que c'est par là qu'il faut qu'on y aille par contre. Ça on l'a pas fait. On a pourfendé la bullette, ou la worm, mais bon. Le problème c'est que bah elle était trop grosse pour qu'on puisse la ramener avec nous. Ah, il y a un Mykonid mort là. Ah regarde, il y a un Dwergar mort. Il y a eu un combat ici. Vas-y, moi je ramasse. Il y a une bague. Ah non, c'est la race de Dwergar. Une trompette, on va éviter de la prendre. Comment ça va ici? Bah nickel, hein, petit live ce matin sur Baldur's Gate. Et après moi je ferai les vidéos, la vidéo des actus de la Terre du Milieu. Il y a un camp ici. Vas-y, on va se faire ce camp là, go 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 go. On veut de l'action nous. Cache-toi Elroïr, ils ne doivent pas nous voir. Oui, je suis pas caché, bonjour, attendez, je me cache. Oula, on a raté de la perception, c'est quoi ça? Ça sent le piège à plein nez, non? Les modos, ils se cachent dans l'ombre comme des Nazgûl. Bien sûr. Ils sont toujours là, les modos. Et Lessar, il est là, il est juste... Oh, regarde! Il y a un Dwergar invisible! Quoi? Quelqu'un essaie de nous prendre par surprise? Levez les mains en signe de paix. L'attaquer. On est censé les défoncer, non? Ah. Bah oui, on est pas là pour discuter. bien sûr, pas le temps de niaiser. Oh, animation des morts. Oula, 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 oula. Il invoque des morts vivants. Non. Abattez-le, les colasses. Ah, attendez, moi je suis juste là. En vrai, je pourrais peut-être le pousser, non? Non. Ouais, non. Mais moi j'essaie de le pousser. Ils ont beaucoup de... Il a un œil de Sauron au-dessus de sa tête. vraiment, attends, hein. Vas-y. Toi noir, je vais te pousser, tu vas voir. Ah. Mais ça sert à rien, tu viens de le dire, il est fou. Ouais, mais il faut voir ce qui est passé, mais il a raté. Mais quoi? Ah, le retour d'Elro qui rate ses attaques. Bah, toujours, toujours. Allez, tu vas voir ce Dwarf. Oh, on sait même pas qui a fait le coup critique. C'est nous, on a fait un coup critique ensemble. Ensemble. Bah voilà, on allez, est trop fort. Allez, pas le temps niaiser, on descend à la bataille. Non, non, moi je reste en haut, j'aurais... Ah bah oui, toi reste à distance. Je reste à distance. Je les accro. J'ai remarqué que les joueurs de BFME et Baldur's Gate 3 jouent très peu au AAA. Bah Baldur's Gate 3 c'est un AAA, non? Je sais pas si c'est considéré comme un AAA. Bon, cadavre est animé. Hop là. En tout cas, je trouve que ça a quand même la qualité d'un AAA, mais... Oh le critique. Attends, on les enchaîne les co-critiques là. Hein. Ouais, attends, il y en a trois. Il y en a un qui est juste à gauche là. Ouais, attends, mais là. Est-ce que je peux. Oula, mais en bas il y a beaucoup de morts là. Cadavre réanimé, cadavre réanimé, cadavre réanimé. Et lui il est où? Oh, j'ai cru que c'était un méchant, mais non, il est venu. Toi t'as 36 000 monstres. Voilà, lui je peux le focus. Oh hop là. Ok, il a perdu la moitié de sa vie, c'est déjà pas mal. Un triple pouce, oui. Oh. Oh la mouette. La mouette, il est difficile quand même. Hein. Tu joues à quoi la mouette en ce moment?
J'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux jeux là qui étaient sortis là, qui sont hype en ce moment là. Hell Shoulder, un truc comme ça. Putain, ou... le Raptor il. Ou le jeu de Pokémon là où tu les fais s'entretuer. Le jeu de Pokémon qui les fait s'entretuer. Alors ça fait pas World, mon cher héros. Ouais, ouais, pas le World, ouais. Harry Potter. Toi, tu joues encore à World Legacy la mouette? Toujours pas fini le jeu? Ah, le Raptor il veut vraiment pas y aller. Hein. Je crois que le Raptor il arrive pas à passer la porte. Il est trop gros avec ses carapaces. Ah, mais y en a un ici invisible. Ah ouais, y en a un juste derrière. Oh le fourbe. J'avoue, c'est fourbe ça. Hein. Raté. Concentration, frappe piégeuse, marque du chasseur. Oh là là. Vas-y, moi je vais l'attaquer avec mon ours. Attends, Glut il va s'en charger, t'inquiète. Moi aussi je peux m'en charger. Oh, hop là, concentration échouée. Mon ours, quoi, il peut pas passer. Il est trop gros. Bah saute. Non mais du coup je peux pas attaquer. Si. Non. Non, sauter c'est une action bonus. Ah non, c'est que... Oui mais le problème c'est que j'ai fait foncer, je suis con. Mais oui Elro, t'es con. J'ai fini 4 fois, sinon je joue aussi à Assassin's Creed 4. Le 4 c'est pas Black Flag. C'est mon préféré. Je crois que c'est le premier que j'ai fait. Et j'ai trop kiffé. Et à ce qui paraît, ils vont en refaire un. Oula, attention, il y a TBV qui va se faire attaquer. Oh là, le coup critique, il a piqué. Hein. Mais d'où il m'attaque, lui? Il est fou, lui. Mais il est fou, lui. Mais il est fou, le monsieur. Ah, mais attendez. Vas-y, moi, j'ai envie de tester mes... Ça, c'est quoi? Toxine, non. Ça, c'est quoi? Vous enduisez votre arme active de poison. Ouais, j'aurais peut-être dû le faire avant. Bon, écoute, on va faire une petite flèche basique. Tout ce qu'il y a de plus... Oh, attends. Ah, merde. J'ai envie de tenter quelque chose. Alors, si je fais ça, il tombe dans le vide. Non, attends. Son... Boum. Ah, ils ont réussi. Quoi? Ça a raté? Bah ils ont réussi leur jet de sauvegarde donc ils n'ont pas été projetés. C'est ça que je voulais faire hein. Mais envie de crever en fait. Ah bah. Bah je t'en tue hein. Quoi, il est même pas mort? Oh là là, mais je rate tout là, c'est pas possible. Non là, c'est pas que tu rates tout, c'est... Alors toi tu dégages. Toi regardez, ah. Il balance des missiles nucléaires et... La c'est... puissance des décharges occultes. C'est honteux. Est-ce que je peux utiliser ça en arme improvisée? Oui. C'était pas terrible. Ah non, c'était pas terrible de ouf. Hein. Regarde Elro! Alors comme ça, tu réanimes tes frères. Et bah tiens, je te les rends. Oh! D'accord. Mais prends-toi cette coup d'épée aussi. Et en vrai, il aurait pu tomber là. Il a un PV. Ah. Ah mais il y en a un autre, il est invisible là. Il est en dessous de l'échelle, j'ai l'impression. Il m'a lancé un caillou, c'est un hobbit. Ça va trop vite. Il est à poil celui-là. Ça va trop vite la mouette par rapport à... Mais après arrête la mouette, ton World Legacy, ça pète dans tous les sens. Le gameplay est quand même assez vif. La bébête qui veut... Est-ce qu'elle peut attaquer le mec qui est juste devant toi là? Oui, attends. Mange-le. Si je fais ça... Ouais attends, si je fais ça c'est quoi action? Peut-être qu'il faut que tu sautes à l'intérieur, non? La cible de tes frappes. Oh non. Elle est en train de lui faire peur. Elle est en train de lui faire peur. Oh! Bien joué, bien joué. Par contre, bah, elle peut te pas passer. Elle est trop grosse, vraiment. Genre. Bah, c'est pas grave, hein. Et lui, là. Putain, mais pourquoi il fait aussi froid, là, ce matin? Ralentissez, ça va trop vite. On n'a pas le temps là, bref. On doit les buter, c'est tout ce qui compte. Attendez, je vais mettre mon... Oh, Glut, il a 2 PV. Défends-toi, Glut. Ouais. Vas-y, finis-le, Ursa Major. Ah, attendez. 3, 3, 10, 3 machins. Défense-le. Oh, échec critique. Mais j'ai envie de crever. Mais c'est ce début de partie, terrible. Mais non, ça se passe bien, hein. Oui, ça se passe bien, mais il y a tout qui rate là. Mais Tonneau, il me fascine. Je me demande comment il peut s'ambiancer alors que t'as des persos statiques qui bougent toutes les 2 minutes. Ah bah.
Il aime bien quand ça bouge hein, Antoine, hein. Oula, alors... mais y'en a un qui est juste derrière moi là, je suis pas d'accord. Allez, meurs. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Toi, tu l'as tué celui d'en bas, c'est bon? Celui qui est à côté de toi. Meurs. Voilà. Ensuite, lui. En vrai, le barbare, j'ai envie de le dégager. Hop là! Ok, il a perdu la moitié de sa vie, lui, c'est pas mal. Moi, je continue à faire de la musique. Allez, toi, tu dégages. Oh! Hop là! Oh, damn! Oh, ça a fait mal. Salut, c'est Oxys, comment ça va? C'est un jeu pour les papiers MDR. Bah oui. Vas-y, je vais finir les deux en même temps. Allez, vas-y! Comment ça, en même temps? What? Allez, le zombie, tiens! Toi, nous, le pire. Il utilise ses ennemis pour les... Mais là, c'est pas terminé encore. Mais il a encore un PV. Bah, dégage. Oh! Et voilà! Et c'est la chute du joueur français. Maintenant, on peut les looter! Looter, récupérer l'argent! L'argent des abonnés, vite! Alors du coup c'est bon, normalement Glut il va être satisfait là. La tumeur a été excisée, les dégâts ne sont plus. Je me suis assis sur une pierre en mousse. Tonneau il veut pas jouer un bulle lanceur de trucs. Un bulle lanceur de trucs? Bah je sais pas. Bah je peux lancer des javelots mais... Enfin des javelines. Non mais... C'est quand il veut rouler sur ses adversaires, il fait ça. Oh, il y a une sauvegarde incroyable. Oh putain, Glut, c'est un traître au maître du cercle. Non. Attendez, je vais sur la conversation de Tonneau. Il ne peut y avoir qu'un seul souverain dans cette grotte, durant le règne de Glut. Il veut prendre le pouvoir. Attends, c'est lui, il veut prendre le pouvoir? Oui. Mais non. Il veut qu'on élimine notre souverain. Non mais il est malade. Si vous voulez faire couler le sang à tout prix, Glut, je vais exaucer vos prières immédiatement. Vous ne rentrerez plus jamais chez vous. Oh non. Oh putain, il est vénère. Vas-y, le rôle, défonce. Quoi? Mais il était censé être avec nous. Pour notre allié. Mais je suis si loin. Vas-y. Vu que Glut, tu es un adversaire de taille, je te donne la chance des royaumes lointains. Et boum! Bah oui, je peux pas venir, moi je suis trop loin. Mais si tu peux venir. des avantages. Coucou Faustéa! T'as vu Faustéa, le message que je t'ai envoyé? Se cacher. Cache-toi, petit ours. Bon bah, nique ta race, l'ours. Winnie, là, retourne chez toi. Hein. Glut, tu vas te faire défoncer. T'as, mais... À cause de toi, nous, je perds mon temps, là, à revenir en arrière, là. J'arrive pas à revenir. Ils vont l'avoir tué, que... Il a 6 HP. Alors Glut, tu fais de la baston, Mathieu. Il est vraiment nul, hein. Et lui, de vouloir devenir seigneur, là? Oui, c'est... Quoi, mais comment ça, on est encore au combat? Bah, il y a le raptor, encore. Ah, mais les deux qui passent en mode méchant? Bah oui, ils construisent par Glut, normalement. Oh là là... Ah ouais, tu m'étonnes, on les garde pas longtemps, les copains. Mais bon, il va pas survivre plus longtemps. Allez, petit ours, il faut y aller. Petit Winnie. Attaque de la mouette! Tu vas rater. Regarde l'attaque de la mouette qui a réussi. Qui n'a aucun sens, hein. C'était pas du tout une attaque de la mouette, mais. Bon, moi je reste en bas, j'étais en train de loot. Et t'es même encombré d'ailleurs. Alors la mouette heureux d'être mis à l'honneur. Non mais Faustéa, il y a un pouce rouge et c'est la mouette. Non, c'est peut-être pas la mouette, mais il a dit que c'était lui. On a notre premier pouce rouge. Non mais de toute façon, peu importe la vidéo, il y aura toujours au moins un pouce rouge. Je pense que c'est quelqu'un qui aime pas Legolas. Ah bah. Ou qui aime peut-être pas la voix de Faustéa. Ou mon montage. Ou les deux à la fois. Ou
qui n'aime pas, bah qui n'aime personne finalement. Non, c'est pas moi, Mimir. Si, c'est toi la mouette. Ah, y'a des gnomes. Y'a que toi pour faire ces choses-là. Je vais promulguer des. Arrête d'être encombré là. Comment ça, je suis encombré? Bah, t'as récupéré trop de choses. Là, je suis encombré? Mais oui. Ah merde. T'as une icône de poids à côté de toi. Bah, vas-y, j'envoie tout chez Astarion. Crie ton invent. Non. Moi, parce que je peux porter plus. C'est où qu'on trie déjà? Tu tries par poids et puis t'envoies le plus lourd que t'as sur. Ok. Alors, et je l'envoie à qui? Moi, vu que j'ai de la place, j'ai de la force. Toi, t'es un guerrier, toi. Ah, et déjà, la bouffe, on va envoyer au camp parce que. Bon, je t'envoie tous les trucs qui je trouve. Moi, du coup, stop là. Stop. Je vais finir par être encombré, moi aussi. T'inquiète, t'es trop fort. La vidéo sur Legolas va dépasser les 3K d'ici ce soir, je prends les paris. Bah, let's go, hein. Et tu nous offres quoi si tu perds? C'est le jeu pour tout ça. Ouais, j'avoue, le C1D, si tu perds, hein, on a droit à quoi? Un lot de consolation ou pas? Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Mais ça devrait plaire à tout le monde, c'est vrai. Explorons un peu, y'a quoi par ici? Je le banne. Oh. Y'aura toujours des nœuds pour. Moi pour l'instant je suis pas abo, y'a pas de vidéo sur les Balrog. Mais abonnez-toi là! Eh, ça ressemble pas un peu au Mordor ici? J'avoue, c'est. Tout, les braises. Ouais, j'avoue, ça fait un peu Mordor là. En tout cas, c'est joli. Faut péter les champignons. Non, moi ça me fait penser à dans les anneaux de pouvoir là quand c'est après le volcan là qui explose. Et les trucs qui. Dans les airs là. Enfin, dans les airs. Là c'est bon, je peux détruire tout. Bah faut péter les champignons parce que ça explose. Parce que la dernière fois j'ai pété un truc, ça a tout fait péter. Oh là là. Ah, on peut aller par là. Mais il est con. Non, t'inquiète. Tue-moi. Attends, moi je détruis les trucs. Ah. Oh là là, mais regardez-moi ce boulet. Attendez, il y a un. J'étais trop excité d'aller là-bas. Ah, il est mort. Oh, il est mort. Oh, il est. Mon perso, il est mort. Mon perso, il est mauvais. Il s'est juste pris un champignon, il est tombé. Oh, c'est pas de chance, ça. Attends. Oh, mince, quoi. Oh, bah alors qu'il est vraiment attristé par cette nouvelle. Oui, non, vraiment, je suis très attristé. Je vais te voler. Attends, je suis en train de voler du poisson et un gantelet en argent. T'as pas. Ah, mais c'est lui qui allait parchemin sur lui. Bah oui. Mushroom. C'est celui qui est mort qui allait parchemin de réanimation. Attends, je vais peut-être pas aller par là, je vais d'abord aller vers toi. C'est bon, je vais me réanimer. De toute façon, c'est tellement simple de se réanimer dans ce jeu. Salut Romslayer, comment ça va? La mort, les 15. Mais du coup, t'es mort comment? Je comprends pas. En fait, il y a un champignon qui m'a éjecté. Saute pas, sale fou. Qu'est-ce qu'il fait? Non, fais pas ton action. Ouh, j'ai eu peur. Mais qu'est-ce qu'il fait, Elro? Non, mais j'ai cru qu'il allait suicider. Oh là, il y a des araignées là par là. Bon, pire, j'y vais et voilà. Bah non, j'arrive, mais c'est juste que je sais pas, il a cliqué sur un truc et c'est parti en cacahuète. Non, mais en fait, il y avait un petit passage secret et. Sauf qu'il y avait un champion. Alors, si tu veux troll-toi nous ou avoir des trucs spéciaux, dis-moi, je te dis où aller quoi faire. Oh, mais t'inquiète, c'est l'inverse, c'est moi qui veux trouver. Attends. Vas-y, saute sur ce champignon là. Oui. Hop. Attendez, c'est que des mécaniques assez compliquées. Hop. Mais ça va, c'est juste sauter, Elro. Ça va. C'est bon, je suis là. Allez, dans Rocheuse, on y va. Ah ouais, faut le trouver le truc, hein. C'est pas si évident que ça. La crique suppurante. Regarde, Elro, oh, des hommes poissons. Waouh, incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Que notre sang remplisse vos océans. Oh, bal béni. Que nos eaux servent à bâtir votre peuple dans les profondeurs. Oh, qu'il est beau. Le kiwi? Non, l'homme poisson. Rien que des paroles, ça, après, rien que des promesses.
votre dieu veut des preuves, il veut du sang. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire, ami? Ce jeu, c'est vraiment du what the fuck à l'état pur, hein. Ce sont des kiotas d'anciens esclaves. Ah ouais, ils ont l'air sympas. Leur manteau. Regarde comme il a l'air gentil. Ah ouais, vous, ouais. Notre seigneur du meurtre exige un sacrifice. Donc vous servirez d'offrande au grand dieu Boile. C'est un poisson qui a une tête de poisson. Enfin, qui a un chapeau de poisson plutôt. C'est le roi truite. Tellement. Et Rome Slayer qui dit waouh, la vidéo Legolas va être à 3K ce soir. Bah écoutez, peut-être, hein, peut-être. Mais moi, c'est parce que je suis étonné, parce que hier soir, quand je me suis couché, enfin, quand on en avait parlé, on était à 1100. Je me suis dit, bah attends, c'est vrai qu'on aurait pris plus 1000 vues en une journée là? Enfin, en moins de quelques heures. C'est moi ou toi, nous, t'es en train de rater là? Oui, bah c'est difficulté 20, donc on va pas. Ouais, c'est difficulté 20, c'est un peu compliqué quoi. Ça vient, prêtre! Bois, il exige un sacrifice! Bois, je veux du sang! Il a l'air méchant lui, hein. Un marché, mais j'ai. Bah, let's go, hein. La Clémence, une mort rapide. Attendez, je. Yo, le Rod, comment ça va? Bon, bah, go les défoncer! Moi, je vais me transformer en. En homme. En homme. En bonhomme de neige. Héros bonhomme de neige est de sortie, c'est parti! Nous allons vaincre! Dans un feu de gare, voilà! Abracadabra! Ah, attendez. On va faire ça. Alors, ne va pas dans la zone que je viens d'invoquer, hein. Ok. T'inquiète, j'ai tout prévu. Bon, j'ai tenté un dialogue. Attends. Mais ça n'a pas marché. Croissance d'épines, ça marche pas? Terrible. Si, ça vient de marcher. Ok. Attends, je crois. Vous avez fini Retour à Moria? Non, vous tuez des innocents. Ah ouais? Bon, bah, mais là, pas le choix, on a pas raté nos jets. Pas le temps de niaiser, écoute, moi, les innocents, je les mange. Hein. Je vais conduire la petite à l'école. Bah écoute, bon emmenage de hobbits, ados de charrette dans la comté. Et oui, nous avons fini Retour à Moria hier, enfin. Nous avons terminé cette aventure. Qui fut ma foi compliquée vers la fin. Mais nous l'avons fait. Moi je suis en train de faire de la musique pour que ça passe, ça fasse qu'on n'est pas trop méchant. On est méchant mais pas trop. En fait Elro, il y avait possibilité de leur dire non, ce n'est pas lui le dieu Boal, c'est moi. Enfin, ah. En fait qu'on devienne leur dieu, mais j'ai raté. Ah oui, mais du coup ouais, il y en a quand même beaucoup hein. Oh bah t'inquiète, j'ai lancé un gros sort de jeu, hein. Pas faire un jeu. Oh là là, échec critique. Bah alors. Sans aucune aide extérieure en plus. Bah ouais là on a. Ils se prennent la fin d'Adar. Toi t'es dans le truc là? Ah non t'es sorti du truc. Moi non, c'est eux et du coup ils prennent cher toi. Moi je suis au cac, c'est pas forcément la meilleure chose mais et j'ai plus beaucoup de vie. Mais comment ça t'as plus beaucoup de vie? C'est moi qui ai plus beaucoup de vie. Allez Boal, tu vas pas faire long feu, tu vas voir. Le problème c'est que moi je suis au corps à corps et je suis pas ouf au corps à corps. Faudrait que j'arrive à me désengager peut-être. Bon, je vais essayer de focus leur chef. Et boum, restez dans la zone. Mais tu vas crever. Engeance. Alors, on est d'accord qu'il t'est nul votre jeu, non? Mais non. Tu viens de rendre heureux mon fils avec Olaf. Mais non. C'est Olaf? Voilà, c'est vrai que ça fait, tu meurs. Ça fait un peu Olaf quoi. Je suis Olaf. Olaf de Faux Rochelle. Je me balade. Ah mais il y a des archers sur les côtés. En tout cas il a dit Olaf. Bah écoute. Mais c'est parce que là il fait froid, je sais pas pourquoi, il y a un courant d'air chelou là. Et bah voilà, tout le monde est mort. Non, il reste trois archers. C'est le moment de l'autre, c'est ça? Et ouais, mais la portée, c'est un truc de zinzin. Attends, ils sont où?
Ils sont effrayés, ils sont au-dessus. Leur dieu est mort, il est temps de les achever. Ah mort. Ah bah lui il est mort. Il est où le dernier? Il est là. Et bah voilà. Bien joué. Mais bon, voilà. J'ai juste cliqué sur son icône, ça l'a automatiquement target et tué. Bah oui, normal. Je suis trop fort Legolas en fait. Enfin Elroya. C'est mon surnom Legolas. Aussi de voile. Moi je récupère tout, je sais pas si c'est intéressant mais... Attends, on a tué tout le peuple quoi. Coquillage fossilisé. On est vraiment des monstres quoi. Mais quel là, pro. C'est dommage, j'aurais bien voulu... En plus c'est pour ça que j'ai pris Will pour qu'il puisse faire des charismes et avoir... Je pouvais pas casser son truc. Quel prochain jeu avec la fine équipe? Eh bah écoute, pour l'instant on n'a pas décidé. En vrai il y avait un truc qu'on voulait faire, c'était pourquoi pas du... vous savez, il y a le jeu qui s'appelle la guerre de l'anneau. Non, pas la guerre de l'anneau, mais du roleplay, enfin. Des soirées JDR, quoi. Ah, ça, j'approuve. Du coup. Comme ça, la mouette va encore plus apprécier. pourquoi pas mettre ça en place, mais pour l'instant, il n'y a rien de. Il n'y a rien parce de que, fait. C'est pas pour tout de suite, mais je prévois de faire mon jeu de rôle aussi. Ah, c'est cool ça. Trop bien. Bah encore écoute. Mes documents. Bah là j'ai vu sur le Discord déjà il y en a un qui en organise, c'est sympa. Enfin ça a l'air assez poussé, assez pro. Ouais c'est cool. C'est avec des règles. Oula, il y a la lecture. Beaucoup de lecture, j'ai pas lu. J'ai pas envie de lire là. Pas le moment là. Ah bah c'est du bonus hein. Oh non, pitié. Il a dit la mouette. Ah oui, la mouette. Ça serait peut-être bien qu'on se heal, non? Je suis d'accord. Parce que on a quand même pas beaucoup de vie. Moi, j'ai 18 potions, hein, donc je peux t'en. Vas-y, je peux en balancer. Ah ouais, d'accord. T'inquiète. Et bah voilà. Il y a un coffre. Allez, le rouillard, faut monter là. Voilà. Faut monter. Enshrouded. Ouais, non, mais il y a plein qui me parlent de Enshrouded là. C'est Boulia qui a énormément joué à Enshrouded là sur les derniers jours. Ah, je suis encombré. Il a dit que c'était hyper agréable. Alors ça, envoyé au camp. Bon, je te propose que. Oh punaise! T'as trouvé quelque chose? Une monticule de terre. Je vais la déterrer. Incroyable. Il y a un coffre. Incroyable. Coffre en bois. Et dedans il y a une perle. Waouh. Ah. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah il y a un coffre là-bas. Ah ouais. Ah. Alors fais gaffe. Mais tu vas péter le coffre non? Ah, y'a un piège! Oh merde, faut que cette armée y vienne. Moi je peux pas sauter, c'est trop loin. Haha, t'as pas cette force! Mais ouais, je suis trop faible! Mais non, t'es pas trop faible, je vois à distance, c'est normal que t'aies pas de force. Ah, cette armée, il peut venir? Oui, il peut venir. Alors, désamorcer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il balance les vieilles armes de. Gros j'ai voulu. Bof, ce jeu. Comment ça, gros bof ce jeu? De quoi je parle, il parle de Enshrouded, non? Ah, bah j'espère. Peut-être qu'il parle de Baldur, hein? Mais c'est encore. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est encore. Copie, du copie, du copie, du copie, du copie. Une copie de copie, de copie. Une copie de quoi? Je sais pas, j'ai pas trop regardé en vrai. Faut que je regarde les gameplays de Boulia. Ok, et eh bah ben, écoute, je te propose qu'on aille sur la carte, on se téléporte. Tous les lignes de Mykonide. Ah, attends, moi je suis perdu là, c'est ouf. Je trouve l'icône de la carte. C'est la carte. C'est bon, j'y suis, mais faut que je clique sur quoi? À droite, normalement, faut que tu trouves colonie des Mykonides. Ouais, c'est bon. Hop. Bulle vend bien par contre. Ouais, il va parler.
On va parler au souverain. Il donne envie de s'y intéresser. Alors attendez, le souverain il est où? Il est au-dessus. Et pendant que tu lui parles, je vais vendre des choses. Je viens vous parler, monsieur. Monsieur. Attends, je vais peut-être rappeler mon animal de compagnie. C'est bien qu'il... Spectum. Allez, hop, et on va lui parler. Il vous accueille par une élégie déchirante, aussi morne qu'une nuit de nouvelle lune. Les dieux égards sont morts, la corruption a été éradiquée. Le chant change brutalement, bien que toujours mélancolique, il porte désormais des notes d'espoir. L'entendez-vous? Une nouvelle harmonie? La sérénité. Je vous nomme semeur de paix. Waouh, on est le semeur de paix. En tuant tout le monde. Des spores odorants flottent autour de vous. Votre cœur s'emplit de joie à chacune de vos inspirations. Vous nous avez donné librement. Alors c'est librement que vous pouvez prendre. La porte du gardien est ouverte. Allez récupérer votre récompense. Mais non. Trois visionnages d'affilée basique, bravo. Mais avant, j'ai une autre faveur à vous demander. Avez-vous fait reculer à la malédiction des druigards? Mais vous n'en avez pas éliminé la source. Spo matérialise dans votre esprit la vision d'un drow méchant au milieu des cadavres. Oh, il y a un autre méchant. Son nom est Neare. Il nous a massacrés. Massacrez-le en retour. Ramenez-moi sa tête. Et je saurai que mon cercle est en sécurité. Oh punaise, on doit ramener une tête. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Ça me rappelle quelque chose. C'est comme si c'était fait. Je vais vous apporter la tête de Neare. Ah, du coup, normalement, est-ce qu'il a ouvert la porte? Alors oui, il a ouvert la porte. Il a dit qu'on pouvait aller récupérer notre récompense, mais qu'on devait également aller tuer Neare, qui était son plus fidèle adversaire. Enfin, fidèle. Son plus grand adversaire. Donc là, on va aller récupérer la récompense. Oh, il y a un buffle des profondeurs. Oh, l'XP qu'on gagne ici. Oh, on a gagné plein d'XP là, c'est bien. Bah, je crois que c'est surtout ça. Oula, alors, cadavre blafard. Rituel. Oh, il se passe un truc avec ce bouquin. Mais non, attendez. On va regarder toi nous. The cover proudly announces this book to be Flumph Mating Rituals. Le titre de cet ouvrage s'étale fièrement sur sa couverture. Rituel. Ah, attends, tiens, je te le donne, fais-le toi, parce que toi, t'as des bons tests pour ça. Ah, attendez, c'est un ouvrage étrange. Je vais lire, il doit lire et puis... Attendez, parce que Tonou il me donne des livres mais Bah ça demande des tests et je suis nul sur ces tests. Lire. Hop, allons lire ce livre. Le titre de cet ouvrage s'étale fièrement, Rituel du Tio. Alors, investigation. Là j'ai un G de quoi. Oh, oui, j'ai plein de bonus. Vas-y, je te lance assistance. Ce serait sympa. Ah oui, il faut que je fasse 15. Bon, le chat, ça va bien se passer. C'est parti. Et t'as bonus pas aussi que... 10. Doubler l'envers. 17. Bah, c'est bon. Ah là, je suis à 17. Bon, par contre, le compte était un peu bugué, j'ai l'impression. Bah parce que j'étais lancé assistance pour ça. Ah. Plissant les yeux, vous vous concentrez de toutes vos forces et le texte grave-le disparaît devant vos yeux. Il ne reste plus que des inscriptions claires allant à l'essentiel, le secret permettant de forger l'adamantium. L'adamantium. Let's go. Il est pas intelligent. Comment ça je suis pas intelligent, Nick Nuck? C'est honteux ça. Non, moi. Ces pages apparemment copiées à partir d'un autre ouvrage détaillent la construction et l'utilisation d'une grande forge dans les trésors obscurs. Bon, je vais pas tout lire, mais en gros,
Ingrédients. Oh. Suffisamment de mitral massif et un moule adapté. Placez le minerai et le moule dans le compartiment respectif. Actionnez le levier pour abaisser le marteau et préparez le minerai à la fonte. Ouvrez la valve faisant entrer la lave dans la creusée et faire s'abattre le marteau pour forger l'objet souhaité. Et bah écoute, on va pouvoir fabriquer des super choses hein, si on arrive à combiner tout ça. La forge. Mais faut qu'on aille découper la tête de l'autre monsieur. Tiens, je vais vendre un peu. J'ai pas envie de vous parler, madame. Non, je suis désolé. Oh non. Trouver les ramasseurs de champignons. Non, je voulais pas faire ça. Bah écoute, allons Tréfonds Obscurs. Allons à la plage. J'ai accepté une quête, je suis pire. Je voulais pas faire ça. Je voulais vendre. Je t'attends à la plage. Oui, j'arrive. Je vends tout ce que j'ai pas besoin. Donc ce gant à tenouille, il va aimer. Quel gant ? Donne ce gant à tenouille, il va aimer. Oui, c'est une quête secondaire. Mais c'est toi qui es mou, la mouette, en fait. Comme ça ? Il a dit, c'est mou ce jeu. Wouah ! Alors du coup, attends, faut aller où ? Téléporte-toi à la plage. À la plage ? Le fond obscur, plage. Sinon, attendez. Sur la map, tu zooms à fond. C'est bon, j'ai trouvé. Allez, go. On dirait une conférence de Tolkien Deal. Mais qu'est-ce qu'il raconte, la mouette? La mouette, il est fou. Hey, il est en forme aujourd'hui. Ah, il est en forme, ouais. Hein. Il y a un château là-bas, on peut peut-être l'explorer. Mais comment il marche, Astarion? Ça me fait tellement rire. Mais c'est Astarion. Il a une dégaine de marche. Alors attendez. Mais je peux pas passer! Et si tu sautes. Ah oui, ça va. C'est vraiment... Ton ours, il est où? Mon ours, il mange ses morts. Il mange ses morts. Je sais pas. Sinon... Merde. Il est tout là-bas encore. Bah mon ours, il est mort, je crois. Hein. Mais non, il est pas mort, il est bloqué, je crois. Attendez, je me TP. Mais oui, il est toujours dans la maison, là. Oh, le pauvre. Oui, il est toujours. Mais non, oui, il est là. Il veut pas? Bah attends, sinon je vais faire révocation. Ah! Une tourelle arcanique! Attendez, je vais réinvoquer. C'est une tourelle arcanique, ça, genre. Je vais pas invoquer du coup l'ours, je vais invoquer. Bon, si, vas-y. Non, je vais invoquer autre chose. Vas-y, l'araignée. Une araignée! Plus, c'est une araignée trop stylax. Hop, c'est bon. T'as même pas pris le pic de retour toi nous, moi qui pensais que tu voulais jouer un bulle barbare bagarreur de taverne. Comment ça on est en combat là? Bah y'a une tourelle. Celui-ci c'était pas mon but premier. D'ailleurs, c'est honteux. Peut-être que bientôt je changerai de classe. Pour tester autre chose. Pour montrer à Hero une autre classe. Bon, comment qu'on fait? Bah je ne sais pas moi. Examiner. Vulnérable. Non mais entre Enshrouder et Baldur's Gate, moi vous me tuez, les plus les vidéos d'Imladris ou Faustéa dit n'importe quoi, moi j'arrête internet. Mais tu veux qu'on joue à quoi la mouette? Dis-nous, en multijoueur, quel jeu? Bataille pour la Terre du Milieu, voilà, c'est ça que tu veux. Qu'on fasse des soirées Terre du Milieu. Oh attention à la tourelle, attention, oh là là. Oh mais elle a l'air ultra vénère cette tourelle. Vas-y, viens t'abriter. J'arrive. Mais le rouir il est un peu bête, j'arrive pas à le contrôler. C'est bon. Oh, je vais me faire tirer dessus. Venez mes animaux là. Attends. T'as une autre tourelle. Du coup, on n'est pas censé les attaquer? Faut faire au moins un petit point de dégâts pour l'endommager. On peut passer sur le côté. Ouais mais attendez, il y a une tourelle, deux tourelles et après je suis sûr qu'il va y avoir... Ah, il y a deux autres... Ouh, ça a l'air dangereux par ici. Hein. Ça a l'air super dangereux. Ah, on est repassé en mode combat. Oula. Ok.
Qu'est-ce qu'il a fait Antonou? Il essaie de taper. Hein. Avec Varda et Faustea qui ont jamais joué au jeu, ça risque d'être drôle sans vouloir vous dénigrer. Hein. De quoi? La campagne en multi sur BFME? Ah! Oh, je sais pas si ça les intéresserait en vrai. Hein. Varda, il devait jouer à BFME, mais il l'a jamais fait. Hein. Bon, j'ai pas le choix. Ça a l'air compliqué de les détruire ces trucs là. Tu veux que je tire, je sais pas, une flèche enflammée dessus? C'est bon! Mais what, le... il balance des éclairs quoi. Alors faut pas qu'il me touche. Non, pas mon chien! Pas mes animaux de compagnie! Moi je vais loot. Voilà, c'est bon. C'est plus important le loot. Oh non, il y a un truc qui est verrouillé, il faut. Il faut ton poteau là. Ramène ton poteau. Alors je vais voir s'il y a d'autres tourelles. Moi je ramasse tout, je ramasse tout. Y'a Will qui va défoncer le truc. Ouais, ouais, bah Will le boss. Hein. Faut bien qu'il serve à quelque chose, Will. Tonou il rentre tranquillou. Ah, attends, y'a d'autres tourelles. J'avais même pas vu qu'il y avait d'autres tourelles. Attendez, moi je suis perdu sur cette carte. Mais what, il est carrément rentré à l'intérieur. Voilà. 40 d'XP, let's go. Non, c'est bon, on a pété toutes les tourelles. Mais toi, nous, il est trop fort, toi, nous. J'aurais mis 50 ans à passer cet endroit. Sauvegarde. Oh là là, en plus, on a une sauvegarde, si ça, c'est pas beau. Bah, tu vois que les sauvegardes fonctionnent. Bah, ouais, elles fonctionnent que maintenant, quoi. Alors, peut-être qu'il y a une sauvegarde parce qu'il va y avoir genre un boss ou un truc comme ça. Il y a un livre poussiéreux ici. Ah, il y a une porte. Oh, j'ai ouvert la porte. Hey, Loro. Quoi? Attends, ici, il y a un truc. Non, j'ai un livre. Alors. Je sais pas s'il y a un truc, mais... Il y a un ascenseur. Un ascenseur? Bah oui, regarde. Mais what the fuck? Attendez-moi! Montez! Attendez-moi! Manque mes animaux! Ah, ça ne marche pas. Eh bah, faut réparer ça. C'est cassé! Qui a fait ça? Qui a cassé le mécanisme? Je suis d'accord, c'est surtout ça, pour ça qu'on regarde. Faut faire 10 de dégâts. Il faut faire 10 de dégâts pour taper et Will peut faire 14. Ah bah là, plus que 14, j'avais à peine de la foudre. Ah bah tiens, un monticule de terre, tu peux le ramasser, Elro. Ok, j'y vais, j'y vais. Je vais ramasser ce monticule de terre. Hop. Un Elro, trésor. Un trésor. Quoi? Non, rien. Oh, mastune là-dedans. C'est bien, c'est bien. Et un parchemin génère un nuage de gaz nauséabond. Ok. Faudrait que je les utilise, les parchemins, parce que j'en ai tellement. Ne dis pas que tu peux sauter sur le champignon là-bas quand même. Mais what? Et la puissance du nain quoi. Moi je peux pas hein. Est-ce qu'on a pas un parchemin pour... Tu es seul. Tiens Elro, attends. Quoi? Après en vrai je peux peut-être sauter par ici. T'as pas une potion genre pour voler un truc comme ça? Pour voler? Tiens. Tiens, bois cette potion, Elro. Attends, augmente votre force pour faire passer à 21. Attends. Voilà, ça devrait lui faire ça. Ah bah voilà! C'est bon, j'ai de la force. Force et honneur, comme on dit. Oh, et en plus, mes animaux de compagnie, ils viennent. Incroyable. C'est les boss. Vas-y, continue. Je fais venir les autres pendant ce temps. Donc là, je descends. Regardez la puissance que j'ai. Je deviens fort. Fort et puissant. Plus rien ne m'arrête. Oh là là. Bah oui, non mais attends, je saute de tellement haut. Oh là. Il y a un trou ici. On va dans le trou ou pas? Attends. Allez, je regarde si... Il y a un arbre. Un arbre magique, ça se sent. Et à l'intérieur, il y a quoi? À l'intérieur, il y a une bougie. Il y a un espèce de portail, un générateur d'énergie. Et j'ai cru entendre des gens marcher. À moins que ce soit toi qui ai sauté, mais... On
On n'a pas un parchemin de genre. Ah, si, plus. Il y a peut-être moyen voilà. de passer. Oui, vos alliés. Rapproche-toi, Elro. De. Pourquoi ? Non, mais... Feuille morte. Je suis une feuille morte. Là, il y a un trou là. Comme ça, on peut. Ouais, mais c'est pour les hybrides qui peuvent se transformer en. En rats et tout. Ah, je pouvais pas le prendre ? Bah, t'es pas. T'es... Tu fais pas le ping d'un rat, Elro. Bah, si. D'accord. C'est toi qui. C'est toi mais pourquoi, qui mais pourquoi tu prends la plante ? On a plus de pouvoir du coup. T'inquiète, t'inquiète. Toi, nous le pire. Ah, pour pas qu'on soit bloqué 50 ans. Alors. Proche de cette serrure. Allez, Astarion, là. Montre-nous tes prouesses techniques. La porte est ouverte. Alors, qu'y a-t-il là-dedans ? Oh, attendez, attendez, là, il y a des rubis, des bougies, des bidules, des trucs. On prend tout, on prend tout. Là, il y a le fameux trou. Ah oui, du coup, le trou, je pouvais pas le prendre forcément. Bon, du coup, je suis beaucoup trop grand pour passer ici. Ok, ok. De toute façon, il n'y a pas d'ennemis, donc à quoi bon ? Générateur d'énergie, pour que ça marche, il faut mettre des fleurs anti-magie. Ah, c'est la fameuse fleur que tu as prise. Tu avais déjà pré-shot ce qu'il fallait mettre. Oui, pour pas qu'on galère pendant 50 ans. Bon, écoute, moi je monte là-haut, je regarde ce qu'il y a. Il y a des petits tonneaux, je me dis, il y a peut-être du loot. Ah, bah voilà, une potion. C'est rentable. Et un élixir, confère un emplacement de sort. Pas mal, pas mal. Ma main a coupé que t'as jamais joué à Tomb Raider, un Street Fighter ou un Batman Arcade. Moi j'ai déjà joué à un Tomb Raider, un Street Fighter, j'ai déjà joué à... Comment il s'appelle Je sais qu'il y a... Vas-y, je reviens. Ouais, ouais, il marche l'ascenseur là ? Oui, du coup il marche. Let's go. Montez! Ah, faut que t'appuies aussi, toi. D'accord. C'est un téléporteur en fait, c'est pas un ascenseur. Ah bah, c'est un ascenseur dernier cri. Alors, y'a quoi ici? Bah, toujours plus de loot. Y'a une caisse? Merde. Pourquoi y'a des tonneaux d'eau? Bah, écoute, c'est d'eau. Allez, je vais ouvrir la porte. César, ouvre-toi. Ouvre-toi. Vas-y, je monte encore. Ok, ok. Ok, donc là, c'est l'étage où on était. Livre usé. Bon, y a pas grand-chose ici, hein. C'est pas la folie, hein. Pas la folie, hein. Je vais ouvrir cette porte. Pourquoi on est là, en fait ? Ah, attendez, là, je peux peut-être sauter. Non, je peux pas. Je n'ai plus de force. Ou du moins, pas assez. Si on... Mais attends, t'es monté là ? Oui, je suis encore monté. Mais attends, mais comment t'es monté ? Bah, l'ascenseur. Ah, si tu rappuies sur... Ah oui, d'accord, il y a un bouton monté. Oui. J'avais pas vu. Il y a plusieurs étages. Mais évidemment, évidemment. Monter. Hop. Bah, on peut encore monter. Bon, bah, je remonte encore. Hop. En cours du... Comment ça en cours d'utilisation ? Bon, c'est quoi ? Moi je vais monter tout en haut. Hein. T'es sûr ? Moi je te conseille pas de monter tout en haut. Oh attends, il y a un truc qui brille là-bas. Ah tiens, Elro, toi, va là-bas. Oui, justement, il y a un coffre. Pourquoi le coffre il s'est déplacé ? Il y a le coffre qui est vivant. Le coffre qui est vivant ? Je sais pas, il s'est déplacé. Il y a un bouton. Un instant. Pourquoi cet étrange collier ? Votre chien se met à vibrer. Quoi ? On a récupéré un collier de chien alors. Ok. Je peux le mettre au chien du coup ? Non mais... Ok ok. C'est marrant, plus on monte plus ça a l'air dangereux. Mais non. C'est parfaitement normal. C'est tout à fait normal.
Monte tout en haut. Bah oui, non, moi je vais monter. J'attends Tonneau pour appuyer sur le bouton. Vas-y, attends. C'est bon? Oh! Oh là, il y a Bernard! Bernard de la Contact qui est là, gardien de la Tour Enchantée. Comment il va, Bernard? Bernard? Ah, attendez, j'ai pas la discussion avec Bernard. Il parle comme une pièce de théâtre. Donc je vais lui répondre avec des phrases de pièce de théâtre. Ouais, Nendar. Ouais, Nendar. Oh là. Oh, le plus fidèle des amis cherchants. Ordonnez, j'obéirai, mon seigneur, mon maître. Bon, je veux savoir... Ah d'accord. On saura pas du coup. Donc en gros c'est devenu notre poteau. En gros oui, bah j'ai trouvé une pièce de théâtre dans la tour. Par contre il a l'air tellement lent. Ah bah c'est une machine. Et du coup bah eh, faut, il faut est programmé pour répondre à la pièce de théâtre. Ah, ça a marché. Ok. Bon, bah. Alors, oh tabouret de force des gens des collines, c'est bien ça. Tiens, je vais voir de l'autre côté. Mais du coup, attends, on est monté tout en haut et y'a rien du tout là. Bon, à part si eux là. Y a des... Si, si, y'a des trucs, t'inquiète. Je sais pas, moi je vois pas beaucoup de loot. On va pouvoir. À part des petits, à part des petits mécanismes fois, cachés. On pourra les taper la prochaine fois si tu veux. Alors, du coup, j'ai un gourdin de forge de Jean des Collines. T'as quoi comme arme, Elro, sur toi? Moi j'ai une épée en acier forgé de 7-12. J'ai un bouclier luisant. J'ai un lance-foudre de 5-12, un arc. Potentiellement j'ai un meilleur arc dans mon inventaire. Et bah tiens, équipe cet arc à la place de son épée. Peut-être que ça t'intéresserait. Attends, je te le donne. C'est une arme. Bah vas-y. Attends, tu me l'as mis où Enfin, c'est quoi, je veux dire, que tu m'as envoyé? C'est gourdin de force de Jean des Collines. Il s'est posé à côté de ton arc. Oui. Du coup, je remplace... Ouais. C'est bon, Elro, t'as de la force maintenant. Ouah, je suis devenu fort d'un coup. Et ça, c'est quoi? Oh oui, je peux mettre un autre médaillon, let's go. Et j'ai un collier de chien. Peut-être que je peux le donner à mon chien, non? Non. Oh non. Vas-y, je vais le donner à mon broker. Ah oui, c'est ces gants-là. Mais c'est. Ah oui, tu m'as donné ces gants, mais vu que moi. Je sais pas s'ils sont intéressants, hein, ouais, Queen. Bah c'est bien, mais moi j'ai les bracelets de défense. Par contre, j'ai plein de livres dans mon truc là, je sais pas si je dois les lire ou. Non, c'est du bonus. Hein. Bah écoute, on va pouvoir s'arrêter là. Et prochaine fois, bah on verra ce qu'on fait avec Bernard. Bernard! Bernard, Bernard! Donc, on peut aller au camp pour faire le trou. Hop! On va au camp, le chat. Ah mais c'est vrai, y'a pas un endroit où on peut s'asseoir, c'est de la merde! Mais oui, on peut même pas s'asseoir sur ce jeu. Vous auriez pu sacrifier un broker si vous voulez. Oui, bon. Bon, elle était pas là, voilà. Voilà, elle était pas là, donc on peut pas. Eh bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à bientôt pour la suite avec le grand toit noir! Exactement, avec Bernard aussi. Avec Bernard, ouais. On découvrira l'histoire de Bernard et peut-être qu'il y aura des dingues avec lui. Je vous dis au revoir, merci beaucoup et abonnez-vous!